Allez, hop là. Allez. Pardon, monsieur, la caisse, vous cherchez, s'il vous plaît, monsieur, là-bas. Oui, pardon, monsieur, la caisse, vous cherchez, s'il vous plaît, monsieur. Oui, pardon, monsieur, la caisse, vous cherchez, s'il vous plaît. J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. Comment ça? Vous êtes perdu. Et pourquoi? J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Expliquez-moi, vous habitez où? J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous? Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Mais t'y tenais vraiment beaucoup à ce portail. Bah ouais, quand même. Et pour un ordinateur, tu fais quoi? Je suis désolé, ça m'a échappé. Excuse-nous, c'est pas toi, hein. Non, mais les filles, putain. On peut pas avec les deux, arrêtez. Excuse-nous. Tu vas avoir une mauvaise image de la police, mais je t'assure qu'on est rarement comme ça. Service, monsieur. On m'a dit d'héberger deux personnes pendant trois jours, et j'ai rendu service normalement, je sais pas d'où ils viennent, d'où... Assis-toi, on y va, on finit là. Donc, tu as donc suivi tout ce petit groupe? J'ai besoin de 20 volontaires pour une opération spéciale. Mais quel genre d'opération? J'ai pas d'autres informations. Voilà, on va passer à côté. C'est le bordel! Voilà. J'y vais parce que c'est jamais si. Bah vite, tu me raconteras. Ouais, mais bon, après, écoute, je te rejoins. Bon, vas-y, on reprend. Attends, à nous. Maintenant qu'on est entre gens sérieux, Caroline. Donc, j'ai perdu mon portable. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coupillot derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. On est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Vous disiez que vous saviez qu'ils venaient de Belgique? Non, je savais pas, on m'a dit ça là, à l'instant. D'accord. Ce matin. Je l'ai appris comme vous. D'accord. Et vous les connaissiez, ces personnes? Non, je les connais pas du tout, ni d'avant, ni de... Non, mais c'est... Je trouve qu'elle est vachement longue pour une histoire courte. Allez, on continue. Moi, mon fils. Qu'il aille manger la culotte à sa vieille, comme on dit dans le 93.